旅芸人の記録、ユリシーズの瞳などで知られる映画界の巨匠。20世紀のギリシャの歴史を背景に時代にさまよう人々を描き続けてきた監督の6年ぶりの新作です。ο άντρας αρχίζει να περιγράφει σαν να ξαναζητεί τη φιάλη. 1919年、難民としてギリシャに流れ着いたエデン。血のつながらない兄の子を身ごもり、やがて二人で村を去る。戦争、迫害、別れ、時代に翻弄されながら20世紀を生きていく物語。女性を主人公にしようとお考えになった、そのことについては、その自分のお母さんに対する気持ちというものがかなりあったと。Et comme ma mère, c'était une femme qui a vécu des siècles. Et elle a subi les conséquences de cette démarche. Les morts, les séparations, les déplacements, tout. Et quand ma mère était morte, je pensais lui consacrer un film.Je pensais à ma mère, mais ce n'est pas la vie de ma mère. Je pourrais dire que c'est la vie de plusieurs, des milliers de femmes qui ont vécu d'une façon ou d'une autre des événements et les tragédies du siècle. Moteur! Panne! Théo va, Eleni tachi ga kurasu mura o tsukuri.実際そこにスタッフや俳優たちが暮らした上で撮影にかかりました。この村は冬の間だけ水が引く人造湖に作られていて、洪水に襲われるシーンは季節が変わり水が満ちるのを待って撮影したようです。映像への細部までのこだわりとテオの特徴である長回しの手法は今回の作品でも貫かれていました。例えば昔に比べて映画はどんどんその短くカットが短くなって、でテンポが速くなって、でテレビのドラマはもっとそこが速くなって、非常にこう全てが小刻みにこうなっていくんですね。でその中でアンゲルボルさんの映画は依然としてワンシーンをワンカットでずっと回すということをやりになっている。まあ、je pense que finalement tout mon travail c'est une réaction envers les films du type américain, vite, etc. J'ai un collaborateur au scénario, Tonino Guerra, un italien. Et une fois, on lui a demandé de parler de moi. Il a dit, je suis très étonné toujours avec la façon dont Théo boit le café. Théo, il boit le café très lentement. Goutte par goutte. Et tandis que les Italiens sont habitués de boire le café très vite, hein, c'est espresso, très vite. Alors, il m'a demandé, il m'a dit, pourquoi tu bois le café si lentement? Ah, je lui ai dit, écoute, moi, je goûte le café. Vous, vous buvez le café. C'est une différence essentielle. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire?Dit que le temps c'est une... Et il faut sentir le temps. Nous, nous avons compris le Guidisha, c'est un film qui est un film de la rue, 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 un film de la rue.どうしてアンゲルブロスさんの映画にはほとんど青空がなくて、いつも
曇ってて雨が降ってるんですよ。J'ai une préférence pour le ciel couvert, pour le gris, pour le brouillard, pour la pluie, pour les parapluies. On dit que l'image qu'on voit pour la première fois en mettant notre œil à la caméra pendant le premier film que nous faisons, c'est une image qui sert d'image, comment dirais, matrice. Et l'image, la première image que j'ai vue, c'était pendant, avant de faire mon premier film, l'image d'un village sur la haute montagne. C'était un après-midi avec la pluie que je cherche peut-être, sans le vouloir. Alors, 普通の映画の撮影チームは、天気、青空が出るまで待ってて撮影を始めるんですが、アンゲルブロスさんの撮影チームは雨が降ると朝雨だ撮影だっていうふうに撮影が始まるっていう話を聞きましたけど、その通りだと。C'est absolument vrai. Je me rappelle mon opérateur il y a quelques années, il est venu à mon bureau. Il était tout excité. Il m'a dit, Théo, il pleut dehors. Ah, je lui dis, alors? Il m'a dit, on va tourner. On va tourner. なぜアンゲルブロスさんがそんなに水に執着するのか、それからもう一つは国境というものに、どうしてずっとテーマをやり続けるのかという、この質問は今までもたくさんされたと思うんで、何度も何度も聞かれたんで、もう答えるのは飽きたと思うんでご質問しませんけども。Mon problème de frontière, c'est un problème aussi intérieur, parce qu'il y a des frontières intérieures aussi. Il faut dépasser les frontières, trouver les moyens pour dépasser les frontières intérieures, pour comprendre l'autre qui est en face de nous. Parce que l'autre, entre guillemets, le mot autre, c'est le seul moyen, selon Platon, pour se connaître. Si le film et le regard du spectateur se rencontrent, c'est une communication. Quand, à la fin d'un film, quelqu'un se lève et il dit, j'ai senti ce film, ou il a senti une émotion, sans rien dire, il a senti une émotion, alors c'est une communication. Et dans ces cas, les films existent. Autrement, c'est rien, c'est de la pellicule.